Donc sans plus attendre, parce qu'on a pris un petit peu de retard, on va passer à la table ronde animée par Antonin Dupin. Et pendant que les intervenants de cette table ronde viennent nous rejoindre, on va passer un petit film de la ville de Marseille. Le projet Life Habitat Talent répond à des menaces et du coup a mis en place des actions et des objectifs pour répondre à ces menaces-là. Et sur ce site-là, par exemple, il y a une menace particulière qui menace beaucoup le territoire des Calanques, c'est le piétinement. Pourquoi on veut limiter la circulation des gens dans l'espace naturel? C'est une zone qui est ouverte, en soi on peut se poser la question, c'est très rocheux. Mais en fait, au milieu de ces rochers, on a énormément de plantes protégées et même de plantes particulièrement intéressantes qui ne poussent qu'ici. On travaille sur une zone qui a un enjeu, qui est très intéressante, et donc c'est pour ça qu'on a une action particulière. 90% des astragales de Marseille en France sont sur le territoire du Parc National des Calanques. Donc ça, c'est énorme. Et quand c'est une toute petite plantule qui est comme ça, qui a peut-être 2-3 ans déjà, eh ben on marche dessus, on ne connaît pas, on ne sait pas ce que c'est, et on ne les voit pas forcément. En plus, l'astragale de Marseille a un côté un peu bleuté, vert bleuté, qui peut peut-être se confondre beaucoup plus facilement avec de la roche, et voilà. Donc c'est vraiment un manque de connaissances. Je pense que si les gens connaissaient, peut-être qu'ils feraient plus attention. Et donc c'est un espace qu'on veut protéger, et pour ça, on propose, on envisage en tout cas, de tracer de manière un peu plus marquée un sentier qu'on choisit par rapport à la topographie, à ce qui est déjà utilisé à l'heure actuelle, qu'on matérialise un peu mieux sur le terrain, donc avec des alignements de pierres, éventuellement des bornes, voilà, des choses pour vraiment bien identifier où se trouve le sentier officiel, entre guillemets, de manière à ce que tous les gens se reportent sur ce sentier-là et n'empruntent pas la multitude de sentiers qu'on trouve par ailleurs. Ouais. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Du coup, merci pour cette introduction qui résume un petit peu cette action. Donc, on est réunis aujourd'hui pour rentrer un peu dans le détail sur une des actions majeures de conservation du programme LIFE, donc qui est la restauration des habitats littoraux par l'aménagement de sentiers. Donc, ça a concerné 9 sites. Pour un total de 5,7 km de sentiers restaurés. Donc le site du Mont-Rose, qu'on va aller voir tout à l'heure, le site du Cap Croisette, le cheminement entre Calongue et Marseille-Vert, Morgioux, Sugiton, Porpin, Envaux, Le Frioul, Pomègue et Anjard. Donc l'objectif de cette table ronde, c'est de présenter un petit peu les enjeux et les résultats des aménagements sur les plans écologiques, techniques et de gouvernance. Et l'objectif, et c'est pour ça qu'on a rassemblé aujourd'hui les acteurs qui ont fait cette histoire, c'est de raconter ces 5 ans de projet avec les différentes structures qui l'ont porté. Donc aujourd'hui, on a autour de la table Estelle Dumas, tu es ingénieur de recherche à Aix-Marseille Université, à l'IMBE. On a Guillaume Lolland, tu es paysagiste concepteur à Topographique. Alain Vincent, délégué à l'action territoriale au Parc National des Calanques. Martial Méraud, responsable de la division espaces naturels et friches urbaines à la ville de Marseille. Et Gwenola Michel, chef du service gestion administrative des domaines départementaux au département des Bouches-du-Rhône. Moi-même, Antonin Dupin, chargé de mission LIFE au Parc National des Calanques. Donc pour commencer, sans transition, je m'adresse là peut-être à Alain en premier lieu. On a beaucoup parlé de piétinement, de fragmentation, de continuité écologique. Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui passe les slides, s'il vous plaît? Merci. Mais alors du coup, pourquoi est-ce qu'on cherche à canaliser cette fréquentation sur les littorales? C'est quoi les impacts écologiques directs et indirects de la fréquentation sur ces milieux? Et quels sont les usages qui sont concernés? Alors, on a des sites un peu différents en termes d'usage. Hein. Bon, sur le littoral, il y a un usage qui est le plus impactant, c'est bien sûr l'usage de la promenade sur ce littoral et l'accès au bord de mer, hein, depuis les sentiers les plus proches, avec des pratiques qui sont un peu différentes en fonction des usages. On a à la fois, on a une très grosse activité qui est sûrement majoritaire, qui est la promenade. On en parle assez peu de la promenade dans les Calanques parce qu'elle n'est pas représentée. Aujourd'hui, les fédérations
sportive. Alors, on a bien sûr une fédération française de promenade et de randonnée, mais qui s'intéresse beaucoup plus à la randonnée qu'à la promenade du dimanche, par exemple, en petites chaussures. Et donc, cette promenade représente la grosse masse, hein, c'est vraiment celle qui est la plus prégnante sur le territoire et celle qui est assurée par des usagers qui connaissent le moins les milieux naturels, parce que c'est des gens qui viennent pour des grands paysages, pour voir la mer, pas forcément pour découvrir la nature. Laquelle découverte de la nature est plutôt assurée par des randonneurs ou des grimpeurs. Donc c'est vraiment la grosse masse qui sont les promeneurs, et parmi ces promeneurs, on a une grosse partie sur le littoral d'accumulation temporelle par les baigneurs en période estivale. Cette activité balnéaire occasionne un piétinement renforcé parce que les gens s'installent à la journée sur les milieux naturels. Contrairement aux zones de promenade de passage, où là les gens circulent, la particularité de l'activité de baignade fait que les gens s'installent et du coup leur densité a un impact plus fort que le simple volume de passage. 3000 personnes qui se déplacent entre Calolongue et Marseille Vert, par exemple, vont pouvoir avoir un impact sur du sentier. Sur des sentiers parallèles, mais à contrario, 3000 personnes qui s'installent à Sugiton vont s'étaler et occuper 100% de l'espace. Et c'est pour ça qu'à Sugiton, on a eu ce phénomène d'érosion qu'on voit très bien ici. Hein. Donc les gens qui se sont installés et qui occupaient pendant les 30-40 dernières années 100% de l'espace, au point que 100% de l'espace est totalement aujourd'hui dépourvu de végétation sur 3-4 hectares. Voilà, donc sur le périmètre de Sugiton, voilà, donc on a un exemple ici hein, de cet arbre qui a en gros 70-80, voilà, entre 70 et 100 ans. Par rapport à l'époque où il s'est semé là, naturellement, on a perdu plus de 50 cm de sol par ce phénomène de piétinement auquel s'est ajouté l'étalement des serviettes, l'installation durable dans la journée de ce public, qui du coup va gratter, va couvrir la végétation, et remonter le plus haut possible sur les abords de Sugiton, partout où la densité du public oblige à se déplacer. Quand on a 3-4 000 personnes, les gens vont s'étaler et du coup occuper la végétation, casser des branches pour s'installer là où la place est disponible. Ce qu'on peut dire en complément et qu'on voyait bien sur la diapo précédente, l'autre avant, voilà, celle du haut, c'est que ce phénomène, il est évolutif. En fait, la diapo du haut, elle représente un état aujourd'hui. Mais il y a 20 ans, il y avait plus d'arbres adultes que ça. Et le fait qu'il y ait eu ce piétinement, ce déchaussement, il y a des arbres qui ont disparu. Donc il y a de l'ombre qui a disparu. Et les baigneurs en recherche d'ombre sont allés chercher plus loin de la mer, une nouvelle ombre. Et ce phénomène, évidemment, a tendance à monter vers le haut. La précédente, celle qu'on venait de voir. Le bouton rouge. La diapo qu'on venait de voir. Celle d'après. Voilà, donc la diapo du bas, je trouve le pointeur. Voilà, sur la diapo du bois, on voit pas très bien, mais là, tout cet espace est totalement dépourvu de végétation. On voit toutes les racines à l'air. On est sur une zone totalement terreuse, où cette personne est allée s'installer. D'ailleurs, elle a trouvé la place libre, donc elle n'a pas hésité à franchir les mises en défense. Et on voit ici à gauche la garrigue avec un mélange de pistachiers lentis, de filaires, de salses parées, qui est encore préservée, mais qui, si on n'agit pas, va faire l'objet du même type de piétinement qu'on a ici à droite. Voilà. Donc on est à la limite là, de l'extension humaine. Et on est quand même sur des pentes qui font 30-40%, hein, donc les gens n'hésitent pas à aller s'étaler aussi dans ces zones-là,
le plus haut possible. Et donc, aujourd'hui, ces zones ont été mises en défense grâce au programme LIFE. Elles ont été renforcées, Martial nous en reparlera, l'année dernière, par ces mises en défense en poteau-fil sont suffisantes quand on a une pression relativement moyenne. Le simple habillement de pierre, comme on l'a vu au Frioul, est suffisant quand on a une fréquentation, on va dire, faible à moyenne. Quand on commence à avoir une fréquentation forte, il faut passer à des ouvrages un peu plus lourds comme cela. Et quand elle est très forte, il faut doubler les poteaux-fil sur certains secteurs très ponctuels. Sinon, le public passe à travers. Sur ces espaces, sur cette calanque, après les travaux du LIFE de mise en défense, et on a réduit fortement la surface d'extension humaine. On a été à 2, 3, 4 000 personnes jour. On a réduit cette surface au point aujourd'hui de ne plus avoir de place pour que 400 personnes. Et c'est pour cette raison, on en reparlera après, on va y revenir. Mettre en place le contingentement notamment. Merci. On voit bien un petit peu l'impact de l'érosion du piétinement. On a aussi évoqué dans l'introduction la question des continuités écologiques. Donc peut-être on va pouvoir y revenir. Est-ce que tu peux passer aux deux autres diapos? Encore une. Voilà. Alors Estelle, je me tourne vers toi. Donc suite à ce constat-là, destruction d'individus, destruction d'habitats, fragmentation des habitats, la question qui s'est posée, c'est où est-ce qu'on a... C'est une problématique qui est généralisée sur le littoral, mais où est-ce qu'on va intervenir en priorité? C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut trouver les zones où l'impact est le plus fort, les enjeux sont le plus fort, et il faut intervenir en priorité de façon la plus efficace possible. Donc l'Université Aix-Marseille a été en charge des études préalables aux aménagements. Est-ce que tu peux nous raconter la façon dont tu as travaillé sur ces sujets? Oui, merci Antonin. On nous a sollicité dans le cadre de cette action au niveau du projet LIFE pour définir des zones hiérarchisées les pressions de fréquentation. Initialement, nous sommes partis sur une zone où il n'y avait pas de données. Il n'y avait pas de données et encore moins de données spatialisées. Donc il a fallu initialement créer une donnée, une base de données, pour pouvoir ensuite définir, hiérarchiser des zones de plus ou moins forte pression. Donc l'idée a été initialement de dresser une cartographie des sentiers qui étaient présents sur le site des Calanques. Sur votre gauche, vous avez en rouge les sentiers qui ont été dessiné à partir d'un GPS, c'est-à-dire que au cours d'un stage, un client Corentin Knoploch a suivi tous les sentiers qu'il y avait sur le site avec un GPS submétrique, donc assez précis, pour pouvoir définir tout ce chevelu de sentiers. Donc ça a été un premier travail qui a été assez long et assez minutieux, parce que les sentiers sont nombreux, comme il a été déjà rapporté. Les gens ne se contentent pas de rester sur un sentier principal, et ils tracent un petit peu, ils vont au plus rapide. Cette cartographie-là représente, c'est qu'une partie, représente 119 km. On fait en définitive de sentiers, ce qui est assez conséquent. Et une fois qu'on a eu dressé cette première carte, il a été nous semble-t-il nécessaire d'essayer de traduire une densité de sentiers pour que on puisse mettre en avant plus facilement les zones où il y avait une forte présence de sentiers, donc supposer une plus forte fréquentation
des promeneurs sur un site. Et donc, c'est ce que nous avons fait au travers en fait, de la carte qui se trouve sur votre droite, qui est une carte en fait, de maillage. Donc, c'est un maillage qui a été appliqué sur en fait, donc, des sentiers de la cartographie de gauche et qui ont permis, en fait, donc, sur ces mailles de 5 mètres par 5 mètres, de définir en fait, les zones où il y avait en fait, la plus forte proportion de sentiers. Voilà. Et donc, cette seconde cartographie a été un élément de décision, de choix des sites ensuite prioritaires à aménager pour préserver en fait, les milieux naturels. Voilà. Merci. Et donc, ça a été aussi complété par une cartographie du degré d'ouverture des formations végétales, la carte qu'on voit ici. Cette cartographie est venue en complément de la première cartographie parce que la première cartographie définissait uniquement en fait, les sentiers, dessinait uniquement les sentiers, mais pas leur largeur. Et la largeur en fait, décrit aussi une plus ou moins forte fréquentation. En tout cas, c'était l'hypothèse en fait, donc, de départ qui va être en fait, retravaillée, notamment avec les éco-compteurs qui ont été posés au niveau en fait, de différents points précis au niveau du parc national des Calanques. Et donc, cette seconde cartographie, qui est aussi en fait, un maillage de 5 mètres par 5 mètres, a permis de définir les zones qui étaient en fait, plus ou moins ouvertes, c'est-à-dire avec plus ou moins de présence de sol. Donc, plus il y a de sentiers et plus en fait, il y a de sol au niveau en fait, de ces zones de sentiers, plus le milieu est ouvert et moins il présente en fait, donc, d'espèces, d'espèces naturelles. Voilà. Merci. Alors du coup, ces études préalables, elles permettent d'avoir une meilleure appréhension de la problématique. Elles ont été complétées après par des visites de terrain avec les différentes parties prenantes. On va y revenir à l'instant. Je voulais me tourner là vers toi, Gwenola, puisque du coup, on identifie des sites où il y a une forte pression de fréquentation, mais ces sites se trouvent en fait chez des propriétaires fonciers qui peuvent être différents. On a vu la carte peut-être un petit peu tout à l'heure. Il y a une multitude de propriétaires fonciers. Il y avait un enjeu dans le projet LIFE qui dure que 5 ans à avoir une sorte d'uniformisation à la fois de qualité, de grands principes d'aménagement et une unité un peu temporelle dans la réalisation de ces aménagements. Donc comment ça a été fait pour que les différents propriétaires qui sont autant de maîtres d'ouvrage fassent les travaux plus ou moins en même temps et plus ou moins de la même façon? Bonjour. À l'origine, en fait, cette question-là, on ne se l'était pas posée. Sur les premières réunions qu'on avait entre nous, effectivement, on avait tous identifié qu'on avait des travaux à faire sur chacun de nos terrains, mais on ne s'était pas vraiment posé la question de savoir s'il fallait qu'on se groupe ou pas. Et ça s'est venu un petit peu naturellement quand on a commencé à travailler dessus, les travaux relatifs à tout ce qui était plantation, tout ça qui était en cours. Et d'un point de vue technique, on s'est dit, mais c'est un petit peu idiot, on a les mêmes travaux à faire, on doit les rendre au même moment, et comment on va faire pour que ça soit cohérent d'un point de vue opérationnel? Donc on est un petit peu parti à la pêche aux infos et on est revenu avec l'idée de faire un groupement de commandes, mais peu importe, à l'époque on n'était pas fixé sur cette opération-là, on voulait faire les travaux ensemble. Donc on a cherché, on avait des commettrices d'ouvrage et on s'est fixé sur le principe du groupement de commandes. Un groupement de commandes, c'est quelque chose de très intéressant. Puisque, c'est une convention, du coup. Alors, c'est une convention qui est entre plusieurs partenaires locaux. Donc là, en l'occurrence, il y avait le parc national, la ville de Marseille et le département, pour lesquels on a travaillé ensemble sur la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'œuvre, puis après les travaux. Par contre, pour réaliser comme il faut son groupement de commandes, à un moment, il faut être quand même très clair, ça prend beaucoup de temps en discussion. Voilà. Il faut qu'on soit d'accord sur ce qu'on fait et presque au millimètre près. Si on n'est pas d'accord, ça ne marche pas.
faut être réaliste. Donc on a passé quand même quelques réunions où on a discuté de comment on fait. Moi je veux ça, moi je veux pas ça, moi je veux ci, moi je veux pas. Et on fait quoi? Et on met quoi dans le groupement? Et ça a été vraiment du temps de discussion préalable. Si on fait l'économie sur ce temps de discussion, le groupement il marche pas. Parce que inévitablement, il y a des choses qu'on n'aura pas prévues, il y a des choses où on gardera toujours un peu un a priori. Moi j'aurais fait ci. Il faut vraiment discuter, il faut vraiment arriver en termes de concessions pour que tout le monde soit d'accord sur ce qui est fait. Voilà. Oui, d'autant que les enjeux en fait, financiers même sont forts, hein, puisque le seul marché de travaux, c'est plus d'un million d'euros. Donc c'est aussi pour ça qu'il y avait un enjeu à se coordonner là-dessus. Et on avait un deuxième enjeu, c'est-à-dire qu'il fallait absolument qu'on les réalise en 2020, avant le mois de juin ou au maximum la fin de l'été, puisqu'après derrière, il y avait toute une deuxième série d'études et de suivis qui devaient avoir lieu pour qu'on puisse avoir, pour que la fac puisse avoir les rendus pour pouvoir faire le rapport final. Donc notre créneau était très très limité pour avoir les travaux, et c'est tombé en plein avec le confinement. C'était bien. Donc le groupement de commandes, en fait, il a permis de lancer un seul et unique marché public pour la maîtrise d'œuvre et un seul et unique marché pour les travaux. Donc Guillaume, tu es le prestataire qui a été sélectionné pour faire la maîtrise d'œuvre du projet. Est-ce que tu peux nous raconter comment, en fait, quelle a été la commande et comment tu te l'es approprié, et quels sont les grands principes un peu qui ont guidé ta réflexion sur la conception, en fait, de ces aménagements? Oui, bonjour à tous. Effectivement, le parc nous a missionné donc pour en tant que coordonnateur du groupe de commande pour canaliser le public au sein du site majeur du parc. Donc site majeur, on l'a vu, pour des enjeux écologiques très forts, site très fréquenté aussi puisqu'il constitue des destinations phares avec très grand nombre de visiteurs. Donc pour mieux canaliser donc ce public, on a travaillé sur l'aménagement des sentiers et on a défini des principes d'aménagement qui étaient de trouver des itinéraires qui soient les plus logiques possibles et les plus évidents pour les usagers, qui donnent l'impression de ne pas faire de détour, ou dans ces sites où souvent, comme l'a dit Alain, l'objectif c'est l'accès à la mer, et donc dès qu'on la voit on veut s'en approcher. On a été guidé par cette notion-là et l'intérêt de s'y rendre de la manière la plus directe. C'est aussi l'aménagement de sentiers qui soit confortable, clair et lisible, donc par le biais d'aménagements d'ouvrages qui permettent de franchir les dénivelés de manière assez confortable, d'une assiette de sentiers suffisamment large, adaptée en fonction des sites. Donc on a notamment sur le site de Sugiton, de Port-Pin, des fréquentations qui sont énormes et donc des largeurs de sentiers qui ont été adaptées à ces cas précis. D'autres sites avec une pression un petit peu plus limitée où les sentiers ont pu être de largeur un peu réduite. C'est aussi évidemment limiter l'emprise sur l'espace naturel, avec une notion d'équilibre qui a été retenue, un équilibre entre la volonté des usagers de s'installer à l'ombre, de s'installer en bord de mer, et puis l'intérêt de la préservation du milieu naturel et des forêts qui permettent de justement fournir cet ombrage. Donc ces ouvrages, ils ont été implantés sur des limites naturelles du site, en s'appuyant sur des limites de végétation dense, sur des reliefs rocheux, et qui vont comme ça participer aussi à la délimitation des espaces et paraître le plus logique et tenter d'être le mieux accepté, même si parfois il y a eu des pratiques derrière qui n'ont pas été tout le temps respectueuses des aménagements créés. Donc ça s'est traduit, pour traduire ces grands principes, on a fait un important travail de terrain avec les différents gestionnaires des sites, avec les gardes de secteur, avec l'écologue de notre groupement, où on a pu, comme ça, sur place, faire un état des lieux des sites, des espèces et habitats protégés,
des sentiers existants, du chevelu de sentiers présents et qu'on a catégorisé, sentiers principaux, sentiers secondaires, sentes sauvages. Donc on a pu superposer ça sur ce type de cartographie qui nous ont servi de base aussi ensuite pour montrer, illustrer le projet et les intentions d'aménagement. Donc ici au Mont Rose. Voilà, ici on est effectivement sur l'ensemble du Mont Rose avec, voilà, on voit des habitats assez variés, chacun correspondant à des couleurs différentes et un chevelu de sentier qui là est déjà important, même si toutes les petites sentes ne sont pas représentées puisqu'on est sur un habitat ici, on est sur des dalles littorales rocheuses où finalement les sentes ne sont pas forcément marquées, visibles sur place. On chemine de manière assez libre sur toute cette zone. Voilà, donc c'est de ces grands enjeux, ils nous ont nourris pour les propositions d'aménagement. On a ensuite fait d'autres cartos qui ont permis de superposer les propositions d'aménagement et les enjeux écologiques en fonction de leur degré. Et ça a permis ça de servir de support de communication avec les différents partenaires du projet. On a aussi, pour illustrer et bien faire comprendre les intentions, réalisé un certain nombre de croquis. Des croquis assez ciblés sur des points particuliers, comme ici donc le départ de sentier du Mont Rose, un départ qui était très confidentiel et qui n'est pas encore fini dans son aménagement, puisqu'il est aussi tributaire de l'accès à la partie sud de Marseille avec les dessertes en transport en commun. Mais c'est un espace sur lequel on est intervenu sur l'aménagement de sentiers, mais ça doit s'accompagner aussi d'une signalétique, de la mise en place assez précise de la signalétique sur laquelle on a pu donner des préconisations. On a des croquis de ce type-là sur le Cap Croisette ou après sur d'autres sites où là on est assez reculé et où là l'idée est plutôt de montrer l'organisation dans le site, le choix des itinéraires et leur logique de parcours et de découverte du milieu. Et puis on va avoir des croquis encore plus zoomés aussi, détaillés sur des zones particulières pour bien comprendre comment le projet va s'imbriquer dans le milieu naturel, essayer de le préserver au maximum et de favoriser comme ça une intégration paysagère des ouvrages qui soit la plus discrète et la plus sobre possible. Voilà, donc ici sur la calanque de Sugiton, où on avait un chemin complètement perdu, qu'on voit sur la photo en partie haute, et puis un ouvrage qui est assez important, qui avait été prévu, qui a été modifié ensuite en phase travaux, puisque une fois donc tout ce projet est élaboré et validé par tous les partenaires, les travaux ont pu démarrer. Et là encore, c'est un gros travail de terrain qui a été fait avec l'entreprise, avec les partenaires. Sur chaque secteur d'intervention, on a, avant le démarrage de travaux, refait des visites de chantier, implanté avec l'écologue les espèces protégées, les baliser, les protéger parfois si elles se situaient trop proches des zones de travaux, fourni des documents qui permettaient aussi à l'équipe de bien saisir quelles sont les espèces, quelles sont les plantes qu'il ne faut absolument pas dégrader, et puis repréciser, ajuster encore plus finement la réalisation des travaux sur le site. Merci. Du coup, pour aller vraiment concrètement dans les travaux, je me retourne vers toi, Martial. Finalement, en quoi ça consiste? Et on peut repartir de l'exemple de Sugiton, qui est un des sites phares du projet. Quel a été l'objectif de l'aménagement sur ce site? Et surtout, dans quel historique il s'inscrit? Parce qu'en fait, c'est une problématique qui est récurrente, sur laquelle il y avait déjà eu des actions. Et comment l'action du LIFE est venue renforcer ce dispositif? L'objectif, il est très parlant quand on regarde la photo qui est à l'écran. Hein. Là, on voit quelques lieux peints, et puis à part ça, des rochers, encore un peu de terre et des racines. Donc l'objectif, c'était de faire en sorte que les gens sachent où passer, et aussi, surtout, sachent où ne pas passer.
et même dans bien des cas, ne puissent physiquement pas passer. Voilà. Alors, cette image, elle est... Voilà. Cette image, elle est avant les travaux. Voici le même endroit juste après les travaux. Donc, si on peut revenir sur la précédente, vous voyez ce pain qui est en biais devant les trois personnes. Le sentier, on l'aperçoit au fond et il est censé passer juste sous le pain pour rejoindre le bas de la photo, juste au milieu. Alors, comme a dit Guillaume, on a fait, enfin, le maître d'œuvre a fait des plans de principe des sentiers à aménager. Et puis, au moment de la phase travaux, on s'est revu autant qu'il fallait sur le terrain pour préciser exactement où on faisait les ouvrages à réaliser, quels ouvrages on faisait, comment on les dimensionnait. Tout en respectant évidemment l'enveloppe financière qu'on avait. Mais voilà. Donc, dans le cas présent où il n'était pas envisageable de faire passer les gens dans les racines qu'on voit juste au milieu de l'écran, on peut basculer. Voilà. On a choisi de déporter le sentier vers le bas pour passer, pour économiser ses racines, faire un emmarchement qu'on aperçoit un peu derrière la personne. Et travailler la pente en créant ces restantes là, avec des pierres qui ont été apportées, qui ont été héliportées sur le site, parce qu'on était aussi soucieux de ne pas piocher sur le site une partie des matériaux, des gros matériaux dont on avait besoin. Voilà. Alors pour moi, cette opération n'était pas tout à fait une première, parce que dans le début des années 2000, j'en avais fait une similaire au même endroit. Bon, c'était une première, on n'avait pas d'expérience là-dessus. Donc 20 ans après, elle a permis de tirer des conclusions de cette expérience. Alors, en gros, les ouvrages que j'avais créés au début des années 2000 avaient bien marché, avaient bien fait leur effet dès lors qu'ils étaient assez loin de la plage, donc dans les zones de moindre fréquentation du public. J'avais en particulier condamné des centres sauvages qui s'étaient complètement refermés, dont on ne devinait même plus l'existence. En revanche, plus on approchait de la plage, et plus ces ouvrages avaient marché pendant quelques années, et puis leur effet avait complètement disparu. Donc ça a permis de tirer la conclusion du fait que à faire une opération comme ça, à réaliser des ouvrages, il ne faut pas faire les choses à moitié, il faut faire en sorte de se donner tous les moyens pour que ça marche absolument. Merci. Et du coup, ça fait une très bonne transition, puisque on a des aménagements qui ont été réalisés du coup ces dernières années et qui ont déjà été abîmés ou détériorés. Donc je me retourne vers toi, Gwenola. C'est ce qui est arrivé notamment au Mont-Rose, qu'on va aller voir tout à l'heure, où il y avait un ensemble. Alors oui, ça c'est une petite illustration de la phase travaux. Voilà, sur le Mont-Rose, on avait un ensemble là qu'on voit au milieu qui était complètement entouré de potophylles, donc de potophylles bas, situé sur une zone à fort enjeu écologique, donc Frigane, avec présence de l'Astragale de Marseille. Et les fils ont été sectionnés à plusieurs reprises, une première fois, remplacés puis resectionnés. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Surtout, comment réagir? Est-ce que cet aménagement n'a pas été compris? Est-ce qu'il y a... Voilà, comment expliquer que parfois les aménagements ne fonctionnent pas, ou en tout cas que les gens ne se les approprient pas? Alors, on a eu affaire à plusieurs types de dégradations. Quand on a de la chance, les dégradations ont lieu avant la facture. Donc là, l'entreprise, c'est ballot, elle doit recommencer le travail. Et après, quand on n'a pas de chance, les dégradations ont lieu après la facturation. Et c'est ce qui est arrivé à plusieurs reprises. Et ce qu'on n'avait pas forcément identifié la première fois,
pour la deuxième série, on était préparé et on avait racheté le matériel, puisqu'en fait, dans ces cas-là, il n'y a pas 36 solutions. Il faut revenir sur le site et refaire de suite si on veut que ça dure. Malheureusement, sur le secteur de Montrose-Samena, on a fini par lâcher prise au niveau des fils, mais on a laissé les poteaux en place. De toute façon, les gens localement là ne respectaient pas forcément les fils, mais le poteau permet de conserver malgré tout le cheminement. Ensuite, pour savoir pourquoi c'est pas respecté, comme je disais tout à l'heure, Marseille, les Calanques, c'est 3 millions de visiteurs par an et 70% de locaux. Donc, il ne faut pas se leurrer, il y a des usages, il y a des habitudes, et les gens n'ont pas forcément envie de revenir sur leur habitude. Ils passent là depuis qu'ils sont petits, et il n'y a aucune raison pour qu'ils arrêtent de passer là. C'est après à nous d'être plus, persuasifs, mais aussi être plus tenaces, pour pouvoir aussi expliquer aux gens que les aménagements sont faits, y compris pour eux, de manière à ce que ceux-ci puissent bénéficier d'une amélioration de leur qualité de vie et de leur qualité du paysage et de l'environnement dans lequel ils sont. Voilà. Si on veut par contre, effectivement, parce que sur le secteur de Montrose-Samena, on a eu des dégradations, mais il y a d'autres secteurs où le seul travail qu'a fait la régie en 2 ans, c'est juste resserrer les fils, parce que tout a été bien respecté. Donc c'est vraiment, il y a aussi à mon avis un impact lié au fait que ces sites sont beaucoup plus périurbains que sur d'autres secteurs, avec peut-être aussi une population qui est moins sensibilisée. Sur le secteur de Morgiou, on a affaire à plus de cabanonniers, ils sont plus habitués à une vie en isolée, avec une qualité de vie par rapport à leur environnement. Donc ils sont sensibilisés à tout ça. Sur le secteur de Montrose-Samena, on n'a pas les mêmes usagers. Clairement, ça joue sur l'acceptation et le taux de vandalisme auquel on a pu avoir affaire. Ouais. Merci. Antonin, je voudrais effectivement rajouter sur ce site, effectivement, il y a une fréquentation très importante et très variée. C'est un site qui est complètement entouré de tissu urbain. Et par rapport aux autres sites de projet, c'est un espace où on a malgré tout conservé un grand nombre de sentiers. On le voit ici, la zone qui est concernée, on le verra sur place, c'est très petit. On a conservé beaucoup d'accès sur la partie haute, notamment les liaisons entre les zones habitées, les zones fréquentées et le littoral. On sait beaucoup plus qu'on a pu le faire sur d'autres sites. Et les dégradations qui ont été faites, elles ont été faites effectivement dès la réalisation des travaux. Et ça témoigne ici aussi d'une manque d'acceptation de l'intervention, pas forcément de l'ouvrage qui a été mis en place, mais simplement le fait d'intervenir et de vouloir créer quelque chose ici. Parce que les poteaux-fils qui ont été mis en place ici sont des poteaux-fils bas, donc une hauteur de 50 cm, dans un espace qui est complètement ouvert. Donc c'était ce choix de les mettre bas était guidé à la fois pour l'intégration paysagère de ces ouvrages, de façon à ce qu'ils ne s'imposent pas, mais aussi parce qu'il suffit à définir l'espace avec cette hauteur-là. Et le franchissement, l'enjambement est très facile. Donc il n'y a pas de gêne ou d'accident généré par ça. Il y a une volonté là de rejet un petit peu. Voilà, sur ce site. Oui, pour compléter, au moment de ces travaux, le parc n'était encore pas armé réglementairement pour permettre d'intervenir, notamment sur ces piétinements en zone mise en défense. Et donc l'année dernière, le conseil d'administration du parc a délibéré pour mettre en place une nouvelle réglementation sur la circulation dans les espaces naturels avec une ligne permettant d'interdire du coup de verbaliser pour nos agents les personnes qui circulent dans les mises en défense. Et donc on a commencé à utiliser cette ligne cet été sur le littoral, et donc ça permet d'avoir un outil réglementaire qui complète les ouvrages installés, et donc qui donne du sens aussi à l'importance de ces ouvrages.
Oui, alors du coup, c'est vrai que le fait d'avoir créé des mises en défense fait que ça devient aussi une infraction d'être derrière les mises en défense. Et c'est devenu même en fait la première infraction relevée par le dispositif saisonnier en 2022 devant l'usage du feu. Donc 68% des infractions relevées sur la saison. Donc ce qu'on voit là, c'est que en fait, parfois la pression de fréquentation est tellement forte que les aménagements ne sont pas forcément suffisants pour plusieurs raisons. Donc là, il y a des solutions qui ont été expérimentées pour venir renforcer l'efficacité de ces aménagements, et notamment des solutions réglementaires. Donc et c'est notamment ce qui a été fait au Cap Croisette avec la fermeture de l'accès motorisé et à Sugiton avec le dispositif de contingentement. Est-ce que Alain, tu veux peut-être détailler ces deux expériences qui sont là en fait complémentaires de la réalisation des aménagements ? Les aménagements, quelque part, les permettent. Voilà, donc effectivement, sur la diapo en haut à gauche, on a l'état de Cap Croisette avant la fermeture du site par le Parc National. Donc une mesure qui a été prise par notre ancien directeur, donc une mesure d'autorité du directeur pour la sauvegarde de cet espace. Et donc le site a été fermé, donc on voit en haut à droite la mise en place de la barrière de fermeture du site du Cap Croisette. Et donc cette fermeture a eu un effet très positif. On a vu très rapidement, dès l'année suivante, une reconquête de la végétation, notamment sur la partie gauche où on voit les voitures, sur la partie gauche, donc une reprise d'une végétation alors plutôt herbacée, hein, ça va très très lentement. Mais en tout cas, l'espace se recolonise progressivement. Et aussi, un effet indirect, c'est une modification des usages avec beaucoup moins de déchets, beaucoup moins d'usages festifs aussi sur ce lieu qui était ravagé par l'érosion, par une multiplicité d'usages diurnes et nocturnes. Donc, un effet très positif au point qu'aujourd'hui, alors l'année dernière, la tenue de cette barrière a été assurée par le restaurateur puisqu'il a quelques places pour stationner ses véhicules. L'année dernière, les agents de gardiennage du restaurateur ont été souvent agressés par du public habitué qui a eu du mal à respecter. Voilà, donc des gens qui y venaient tout le temps, régulièrement, et qui du coup ont eu du mal à intégrer cette interdiction. A contrario, cette année, cette fermeture est rentrée dans les mœurs. Il n'y a eu aucune agression de la part des agents, ni verbale ni physique. Et donc, il a fallu 2 ans, mais en s'acharnant, on arrive à du résultat. Je pense qu'il ne faut pas lâcher. Et c'est un peu pareil sur le Mont-Rose. Il faudra peut-être qu'on revienne, qu'on relance une phase de travaux, peut-être qu'on renforce les mises en défense en passant du simple à du double fil, peut-être un peu plus haut, qu'on vienne vous aider sur de la verbalisation avec aussi vos agents assermentés, pour reprendre la main sur ces sites, comme on l'a fait au Cap Croisette, avec d'excellents résultats. Sur les deux diapos du bas, donc c'est le dispositif de Sugiton, dont on est en train de finaliser le bilan, qui sera présenté à notre conseil d'administration à la fin du mois, et donc une opération qui a été très intéressante, qui a été très lourde à mettre en place, mais qui a permis, du coup, de donner du sens aussi à la protection de la nature. L'objectif de ce projet a été ciblé prioritairement sur la protection des milieux naturels, sur la protection des sols contre l'érosion, et le public s'est approprié facilement ce dispositif. On n'a pas eu de débordement. Bon, il y aura une présentation dans les médias, bien sûr, du bilan, hein, j'en dirai pas plus, mais en tout cas, c'était une réussite sur la diminution très forte du piétinement. On ne peut pas parler aujourd'hui de réussite sur la biodiversité parce que c'est beaucoup trop tôt, mais en tout cas, on a très fortement réduit le piétinement et l'occupation humaine des espaces encore terreux qu'il faut sauver de l'érosion. Merci. Du coup, on parle là de résultats positifs, hein, qu'on voit. Et Estelle, je me retourne vers toi. Ces mesures de gestion, elles ont un impact sur les milieux littoraux. Comment est-ce qu'on mesure l'efficacité de ces actions et comment on les suit dans le temps ? Est-ce qu'on a des premiers résultats déjà ? Voilà, c'est donc une seconde mission qui nous a été en fait dédiée, d'évaluer l'impact des aménagements sur la dynamique de la végétation.
Donc, en fait, au sein en fait, donc, de ces zones aménagées, il a été défini des sites, des placettes de 100 mètres carrés, de 10 mètres par 10 mètres. Et en fait, ces placettes de 100 mètres carrés ont fait l'objet de deux campagnes de photographie, une en 2020 et une en 2022, à partir de ce qu'on appelle aujourd'hui une caméra emportée, c'est-à-dire en fait ce qui est de l'ordre du drone. Enfin, c'est pas de l'ordre du drone, c'est à partir avec un drone. Ça, en fait, donc. Permet une meilleure définition, avoir en fait des photographies qui sont beaucoup plus précises que celles qui étaient à notre disposition jusqu'alors grâce en fait à la mise à disposition de photographies aériennes par notamment l'IGN. Voilà. Donc là en fait on a un exemple de deux photos, une en 2020 et une en 2022. Sur en fait, l'un des sites de Marseille Vert, et on observe en fait donc qu'il y a une reconquête effectivement de la végétation assez visible, en fait une sorte d'étalement, d'accroissement en fait donc des taches de végétation. Et donc pour effectuer en fait cette analyse comparative, on ne peut pas le faire uniquement en regardant en fait les photos, parce que les photos sont en fait au départ des supports qui sont des supports qualitatifs. Donc il fallait passer en fait d'une donnée qualitative à une donnée quantitative. Nous avons testé deux méthodes pour cela. Une première méthode par en fait un processus de segmentation. Donc c'est une classification d'images. Et un second processus, qui est en fait une méthode en fait de photo-interprétation. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, s'il y a des questions, je pourrais en fait y revenir. La méthode de classification de segmentation n'a pas en fait donc donné les résultats espérés. Et donc, nous avons choisi la seconde méthode, qui était une méthode de photo-interprétation. Cette méthode de photo-interprétation a été... consistait en fait à appliquer un maillage régulier sur en fait la photographie et à définir pour chaque maille ce qui était de l'ordre de la végétation, ce qui était du minéral, ou lorsqu'en fait il y avait les deux qui étaient en fait à hauteur chacune de 50%, ce qui était mixte végétation minéral. Et donc à partir en fait de ces résultats de maillage, nous avons effectué ce qu'on appelle des matrices de transition, ce qui en fait apparaît en fait dessous. Donc je regrette, c'est assez technique comme travail, où vous avez en colonne en fait la part de minéral végétal et mixte en 2020 et en horizontal la part de minéral végétal et mixte. Donc un exemple. Pour ce qui est de l'ordre de la végétation, donc en vert, entre 2020 et 2022, il y a 8,84% de mailles de végétation qui sont restées en végétation, 1,58% qui sont passées en végétation et minérale, et 0,36% qui sont en fait passées de végétation en minérale. Voilà, c'est comme ça qu'il faut lire ce type de tableau. Ce qui nous a permis en fait de définir ou en fait d'évaluer ce qui est, comment évoluer en fait ces milieux. À partir en fait donc de ces données, si on peut passer sur la diapo suivante. Voilà, nous avons calculé des taux de croissance pour chaque placette de 100 mètres carrés. Nous avons en fait, à gauche les taux de croissance négatifs, donc pour lesquels actuellement, au bout de 2 ans, la dynamique de la végétation est en retrait. Et sur en fait, la partie de droite, des taux de croissance positifs, c'est-à-dire des placettes pour lesquelles la dynamique de la végétation en fait, a évolué positivement. C'est-à-dire qu'il y a eu un accroissement en fait, de la végétation sur ces placettes-là.
Donc, ceux qui ont particulièrement réussi, c'est du côté du Cap Croisette, Marseille Vert, la placette numéro 4 de Porpin. Voilà, donc je les ai classés en ordre décroissant de croissance positive de végétation. Et pour ce qui est en fait des histogrammes en jaune, bon, donc du coup Mont Rose, placette 3, 4, 2 et Cap Croisette 4, pour l'instant portent des résultats qui sont en fait plutôt une dynamique, enfin une végétation qui est plutôt en retrait. Les causes de ces dynamiques sont multiples et on est en train de définir en fait ce qui permet d'expliquer ces taux de croissance négative ou taux de croissance positive. Et puis il y a une dernière diapo, c'est peut-être la diapo qui va être. Donc là en fait ce sont maintenant qu'on a. La diapo précédente mettait en avant ce qui était du positif et ce qui était du négatif. Là, cette diapo-là, en fait, permet de définir comment la végétation a évolué sur ces placettes. Donc, j'ai pris deux exemples de sites. Les deux exemples pour lesquels les taux de croissance négatifs sont les plus marquants, donc Mont Rose 3 et Mont Rose 4. Et les deux placettes pour lesquelles les taux de croissance positifs sont les plus marquants, c'est Cap Croisette 2 et Marseille Vert 4. Voilà. En fait, donc, ce qu'on remarque, c'est que donc, les triangles sont de couleurs différentes. Le triangle, donc, par exemple, marron, indique l'évolution du minéral sur ces différentes placettes. Et ce que l'on observe, c'est que... généralement, on a une forte proportion du milieu, mais que cette forte proportion du milieu évolue peu ou en mixte ou en milieu de végétation. C'est-à-dire, en fait, en définitive, qu'en deux ans, on observe surtout en fait, un taux de croissance très lent. Et ça, c'est complètement normal, dans la mesure où en fait, on est sur une durée uniquement de deux ans. On a eu en plus cette année en fait une période de sécheresse marquée et d'autre part la végétation méditerranéenne est une végétation qui évolue très lentement aussi de par son caractère méditerranéen marqué. Donc pour l'instant ce qu'on peut dire c'est que ça reste quand même en fait donc positif. Voilà. Ouais. J'espère donc... que voilà. Donc, ouais, très clair. Voilà. Donc, positif mais lent, d'où l'enjeu à poursuivre les actions dans le temps. En complément, il y a eu une phase de suivi par éco-compteur aussi qui a permis de vérifier qu'il y avait une baisse de la fréquentation sur les centres fermés. Donc ça, c'est, il fallait, ça paraît logique, mais il fallait le prouver. Et puis c'est une variable explicative qu'on est en train de mettre en lien avec la croissance de végétation. Ouais. Voilà. Je vous propose de prendre, on est un peu pris par le temps, il y avait une dernière diapo qui montrait donc là, le doublement des podophiles de Sugiton, donc renforcement, extension du dispositif à Sugiton, réalisé par la ville de Marseille, et la dernière qui montrait les semis, le seul semis de pin d'Alep trouvé par Alain à Sugiton. Donc du coup, dans les perspectives après Life sur cette action, il y a un maintien des suivis jusqu'en 2027, un maintien de l'effort de sensibilisation et de surveillance à la fois par les gardes et par le dispositif saisonnier, la réalisation d'études pour l'aménagement de nouveaux sites et un entretien des aménagements par les propriétaires et gestionnaires. Il nous reste quelques minutes pour éventuellement prendre une réaction, des questions de la salle, s'il y en a, ou si quelqu'un veut compléter... Pas de questions. Est-ce que quelqu'un veut faire un mot de la fin, du coup ? Bon, bah, c'est qu'on a été... Ah, il y a Lorraine qui est là. Lorraine, tu veux dire un mot ? Non ?
Bon, ben dans ce cas, quelqu'un veut dire un dernier mot ? Peut-être sur l'entretien des aménagements dans le temps ? Ouais. Alors, nous, pour la ville, on a, dès la phase de réalisation des ouvrages, on a commencé à se mettre en ordre de marche pour que notre régie, nos ouvriers, aient les moyens d'assurer l'entretien de ces ouvrages. En les dotant de matériel adapté pour entretenir les poteaux fils, en adaptant nos marchés à bonne commande, en y rajoutant des prestations qu'on n'avait pas, de poteaux fils, de scellement de poteaux, etc. Voilà. Et puis, juste après, on s'est intéressé à l'aire géographique au-delà de celle qui avait été retenue dans le LIFE, où il y avait les mêmes problèmes, en lançant un marché sur le même modèle de celui du groupement de commandes, en lançant un marché de maîtrise d'œuvre et suivi d'un marché de travaux. Le marché de travaux est en cours de publicité, donc on est dans cette dynamique. Voilà. Et puis, on prévoit de lancer un autre marché, pas tout de suite, mais dès que notre charge de travail le permettra, parce qu'il faut avoir à l'esprit que quand on choisit des cheminements, on choisit d'en condamner, on influence la fréquentation, la dynamique de fréquentation. Et du coup, on fait un petit peu un pari que les gens vont, qu'on va faire les bons choix, que les gens vont accepter ce qu'on va leur imposer, en fait. Des fois, en général, là, ça a très bien marché, mais des fois, on se rend compte que le public ne réagit pas tout à fait à l'endroit où on l'avait prévu, comme on l'avait prévu. Donc, on se rend compte à Sugiton que même si les ouvrages qui ont été créés ont très bien marché, on n'a pas eu de dégradation, on va être amené à les compléter par d'autres ouvrages sur un projet évidemment de moindre envergure, mais qui va nous amener à faire un marché pour ça. Voilà. Oui, peut-être pour compléter, effectivement, la réussite de ce projet, ce projet est extraordinaire, hein, je crois que pour avoir un peu d'expérience sur les Calanques, c'est le premier grand projet qui a été mené sur les Calanques, au-delà de la création du parc, en tout cas en projet opérationnel. C'est le premier grand projet opérationnel qui a été mené ensemble avec tous les acteurs, parce que même si certains, l'ONF ou le conservatoire, n'étaient pas dans le groupement de commande, ils ont aussi fait des actions sur leur terrain dans le même sens. C'est le premier grand projet d'ampleur opérationnel de préservation des milieux qui a été mis en place. Même s'il se termine au niveau de l'appellation LIFE, je crois que sa réussite, elle va se faire les années qui viennent. On est sur des dynamiques végétales très très lentes, très 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 lentes sur le littoral, hein. On n'est pas du tout forêt tropicale comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Et donc du coup, le résultat de ce travail, on va le voir dans 10, 20, 30 ans peut-être, mais il ne faut rien lâcher. Voilà, je pense que si on voulait donner un peu des éléments, il faut vraiment s'accrocher et maintenir des financements. Là, je me tourne auprès des acteurs publics et des financeurs. Il faut absolument qu'il y ait des financements pour assurer l'entretien de ces travaux, leur adaptation dans le milieu naturel. On sait très bien que il va falloir s'adapter aux usages du public. Il y aura sûrement des contournements, des gens qui auront envie de passer à tel endroit plutôt qu'à tel autre. Et donc, en permanence, c'est du renouvellement et l'adaptation et l'entretien assuré, il faut le prévoir sur le très long terme. Merci. Une question dans le public. Une deuxième question devant, juste après. Bonjour. Je suis Gérard Carion, de Parc Naturel des Caps de Creus, à la Catalogne. Excusez-moi pour mon français, je le comprends meilleur que je le parle. Nous avons des habitats qui sont très similaires ici en Calanque, comme je veux. Et nous sommes maintenant en train d'un projet live qui s'appelle Live Made Cliffs, et qui il y a quelques actions qui sont pareilles que vous avez implémentées ici à ce live. Mais avec cette action,
Il y a beaucoup de photos avec des actions avec beaucoup de sol, avec forêt, comme ça. Mais vous avez fait quelques actions aussi dans un lieu plus recherché. Et comme vous l'avez implémenté, parce que c'est plus difficile d'installer, par exemple, ces troncs comme ça. Merci. Oui, on voyait dans le film, le Frioul, dans le film, on voyait qu'il y a des endroits où il y a très très peu de végétation. Et du coup, dans ce cas-là, c'est vrai qu'elle ne sert pas à border le sentier. Et sur le Frioul, ce qui a été utilisé, c'est principalement des pierres de rive pour guider, pas forcément pour empêcher le franchissement. Donc à certains endroits, ça marche, à certains autres, ça n'empêche pas de passer, les gens continuent de passer. Donc en fait, la majorité des milieux, c'est des milieux de végétation basse où il n'y a pas d'arbres. Là, on s'est concentré sur Sujiton pour garder un fil narratif, mais il y a plein de milieux qui sont plutôt des milieux ouverts. Quoi. Effectivement, il y a énormément de milieux ouverts, rocheux, sur lesquels on est intervenu et dans lesquels on a adopté des techniques de scellement sur ce dispositif de mise en défense des espaces naturels. On avait deux principes de scellement qui étaient soit la réalisation donc de massifs en béton qui étaient composés d'un peu de liant à porter sur site et de la collecte des matériaux sur place de manière à créer des masses suffisantes qui permettent de lester ces pieds de poteau, et soit un forage direct de la roche et dans lequel étaient scellés les poteaux aussi là, à l'aide de coulis de ciment ou de résine de scellement. Et dans les deux cas, en fait, le poteau est... à l'intérieur du poteau, donc sur 30 cm ou 40 cm à l'axe du poteau, est scellée une âme métallique de 2 cm de diamètre et qui descend donc aussi, c'est elle qui est prise en scellement, soit dans le massif béton, soit dans la roche. Donc on a là un dispositif qui permet d'avoir une liaison très forte entre le poteau et le sol, qui permet d'avoir une intégration vraiment intéressante de l'ouvrage, des poteaux qui tiennent bien, donc des fils qui peuvent bien se tendre, et des interventions aussi en entretien qui sont facilitées, puisque l'âme acier, elle, tiendra dans le temps, dans la durée, tant que le massif, lui, reste dans le sol. Et pour ça, on a veillé à ce qu'il y ait suffisamment de roches et qu'il soit suffisamment enfoui dans le terrain pour qu'il n'y ait pas de béton qui apparaisse. Mais le poteau, s'il vient à être dégradé ou par son vieillissement, il peut être remplacé. Et on ne remplace dans ce cas-là que la partie bois et pas le scellement. Lui peut être conservé. Donc ça, c'est une logique aussi là, de durabilité et d'économie dans l'intervention de l'entretien. Je pense par rapport à ce qui a été dit aussi avant... Tous ces travaux qu'on a menés, on a été très exigeants tout le long avec les entreprises. On a essayé de faire en sorte que ces travaux ils s'intègrent le plus discrètement possible dans le paysage, dans le site, qu'on soit le moins invasif possible, que ça soit aussi des ouvrages qui soient harmonieux, qui soient esthétiques dans leur implantation et dans leur dimensionnement. Et je pense que c'est aussi une dimension qui est très importante dans un milieu comme celui-là. Au-delà de l'aspect protection écologique, il y a cette protection des paysages aussi et de sa valorisation. Et un niveau d'exigence qui est fort et qu'il faut maintenir, à mon avis, à long terme. Il y avait une deuxième question devant. En fait, c'est pas vraiment une question, c'est que j'écoute depuis ce matin et je me dis il manque quelque chose aujourd'hui, parce que dans la salle, je pense qu'on est tous convaincus, tous informés, voire même surinformés, mais c'est presque dommage qu'il n'y ait pas eu des représentants des habitants, de ceux qui parcourent le parc des Calanques, pour les sensibiliser, les CIQ, et je pense même au service de la ville, l'éducation à l'environnement, parce qu'en fait, l'acteur principal pour que tout ce projet-là il fonctionne, c'est bien évidemment ceux qui utilisent le parc des Calanques. Et moi, je refuse de croire que les habitants de Savena y détériorent. Non, je fais moi-même la marche nordique le long de ces potelés, et on peut très bien circuler sans endommager. Donc la question, c'est comment entraîner avec nous toutes celles et ceux qui leur faire comprendre l'intérêt de préserver, parce que
ce qu'on disait à l'UICN, c'est que on protège pour protéger quelque chose, il faut le connaître. On aime ce qu'on connaît et on préserve ce qu'on aime. Donc aujourd'hui, peut-être que c'est dommage qu'on n'ait pas pensé à inviter. C'est pas une critique, mais d'un coup, je me dis c'est dommage. Tout ce qui a été dit là pouvait être compris par tout un chacun, et il manque cet acteur important qui est le citoyen lambda. Alors le touriste, on peut pas savoir lequel on va inviter, mais c'est vrai que voilà. Et donc j'en parlais avec un représentant du parc. Maintenant, la deuxième phase, c'est la sensibilisation, l'information, tous les supports de communication qu'on pourra mettre en avant. Pourquoi pas des conférences sur les espèces exotiques envahissantes? Pourquoi pas des opérations pour inciter nos concitoyens à faire pousser de l'astragale ou des arrachages citoyens? Parce que je pense qu'aujourd'hui, voilà, le succès de toutes ces opérations, c'est d'entraîner avec nous la composante majeure, les citoyens. Alors, un élément de réponse, mais je ne veux absolument pas dévoyer ce qui va être dit demain, parce que ça fait l'objet complet de la journée, enfin, une grosse partie de l'atelier qui aura lieu demain sur la sensibilisation fait partie. Alors, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais il y en a qui viennent demain. Ils ont tous été invités. Tous les comités d'intérêt de quartier ont été non seulement invités aujourd'hui, mais en amont du projet. D'ailleurs, M. Manchon nous a aidés à plusieurs reprises à rentrer en contact et à être à proximité des CIQ. Donc, ils font partie intégrante du projet. La sensibilisation a été largement assurée par le Naturoscope, mais aussi reliée, comme le disait Loïc, par chacun des partenaires du projet. Donc, c'est vraiment un élément clé qu'on a pu identifier dès le démarrage du projet avec tout la communauté d'énergie que nous avions tous. Et ça a été pris en compte tout au long du projet. Et là, où je vous rejoins, c'est dur. Mais chacun l'a fait et les choses ont commencé à bouger. Gwenola faisait état tout à l'heure des jardins en fait, qui peuvent être impactants en fait, de façon négative sur le milieu. Donc je ne vais vraiment pas parler de ce qui va être dit demain, mais ça fait complètement partie du projet et de la journée de demain.